Hello, bienvenue sur Fast Good Cuisine. Aujourd'hui, grosse vidéo, je suis trop content puisqu'on va faire un épisode que vous adorez. C'est X euros versus Y euros. Donc en gros, un plat, deux prix très différents. Et aujourd'hui, on s'attaque au sandwich. C'est parti, un sandwich à 2 euros versus, je ne sais pas encore le prix. C'est parti, on commence tout de suite avec un sandwich à 1 euro, 2 euros. On va au Franprix. 1,80€, jambon et mental. On va déguster hein, dans la street, c'est parti. Bon, en vrai, on peut être critique par rapport à ces sandwichs, mais c'est des frérots. Hein. Ça, à l'époque, quand j'étais au lycée, je prenais 2-3 paquets. Au lycée, je trouvais ça excellent. Je préférais ça que la cantine. Bon, ça, au final, on les connaît tous. Pain de mie classique. Il y a quand même une bonne garniture, hein, on va pas se mentir. Il y a quand même pas mal de jambon. Mais bon, c'est plutôt un produit d'utilité qu'un produit de plaisir. C'est pas le grand kiff. En tout cas, bon, on va pas s'attarder. Je termine ça et je vous emmène dans un vrai resto pour manger des sandwichs. Bon, ça y est, on est arrivé au restaurant Alfie. Alors là, c'est les spécialistes pour le sandwich. Vous avez été nombreux à me dire, vas-y, tu vas kiffer. J'ai de la buée, plein les lunettes, merci ce masque. Mais c'est pas grave, puisqu'on va se régaler aujourd'hui et on va tester un sandwich incroyable. Je vous emmène. Salut Charles. Comment ça va? Alors déjà, bienvenue chez Alfie. Merci. On t'a concocté un Alfie spécialement pour toi, qui coûte très 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 cher. C'est pour ça qu'il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo. On va lui préparer un Alfie. Un Alfie n'est pas un sandwich. Vous allez comprendre pourquoi. Bon, malheureusement dans le titre il y aura quand même écrit sandwich. Quand tu viens chez Alfie, c'est soit tu composes toi-même ton Alfie en choisissant ton pain, 3 charcuteries, 2 sauces, 2 garnitures, ou sinon tu as toutes nos signatures déjà précomposées. Il y en a pour tous les goûts. Et le hot dog revisité, toasté. Bon, du coup après des heures de débat avec moi-même, je vais prendre un do it yourself, un signature, un hot dog et le spécial. Le truc, tu sens que ça pèse, mais pourtant avec toutes ces couleurs là, tu sens que tu vas manger un truc limite je dirais que c'est sain. Et regardez la quantité de viande, de charcuterie, toutes ces couleurs là, allez. C'est la première fois que je mange un truc comme ça. On n'a pas l'impression, mais c'est frais. La charcuterie comme ça, tu dis, waouh, est-ce que ça peut pas être écœurant, machin et tout? Mais c'est l'effet inverse. En vrai, tu manges ça, si tu vas manger ailleurs un sandwich, forcément déçu quoi. Au final, il y a 13-14 euros. Ça n'a rien à voir avec le premier sandwich que j'ai goûté. 10 sur 10. Je finis ça, on passe au suivant. On a toujours une fat quantité. Le cheddar là, c'est du cheddar vegan. Là, c'est un signature, donc c'est-à-dire que celui-là, vous pouvez le demander. Le cheddar, il est bon. Pareil, encore une fois, je suis choqué parce qu'on a beaucoup de charcuterie et pourtant, c'est pas écœurant. Mais j'ai quand même une préférence pour le premier. Petit bonus, ils font des hot dogs. Je suis fan des hot dogs, donc je me devais d'y goûter. Donc là, on est sur un autre type de pain. Il a l'air d'être archi moelleux. J'ai pris une petite sauce pimentée. À voir avec le hot dog new-yorkais, c'est super bon. Par contre, le truc pimenté, il est pimenté. Moi, j'aime bien. J'adore ce côté archi moelleux. Là, on sent que c'est du pain hot dog. Des trucs comme ça, je t'en mange 3 ou 4. Hein. On passe à la suite. Ils vont faire un cocktail d'exception qui va accompagner sandwich. Ça va être incroyable. C'est parti, préparation du cocktail. On vous a préparé une petite création de cocktail sur mesure à base de fil, sirop de tonka, qui s'accordera parfaitement avec ton alfie au foie gras. Dedans, tu vas retrouver de la vodka, un soda à base de gingembre, un sirop de tonka maison, un jus de citron pressé, un petit quart de figue et quelques gouttes d'un bitter maison qu'on garde au secret. Parfait, j'ai rien dit, ils ont tapé juste parce que j'adore la vodka et j'adore le gingembre, donc Bonne dégustation. Yeah. Okay. Allez, on va goûter ce sandwich d'exception, cet alfie, que dis-je?
rien qu'au visuel. Celui-là, mec, il est exceptionnel. Ouah, le foie gras. En plus, la compotée d'oignons, j'ai déjà goûté, elle était magnifique. Alors, ce qui vaut cher dans ce Alfie, on est sur le foie gras. D'accord. On est sur la truffe blanche qu'on vous a mis et de l'huile de truffe. Pour une estimation pour ce Alfie, on est dans les tranches des 120 à 150 euros. Bah moi j'ai envie de dire trêve de blabla. Regardez-moi ça franchement. Ah vous pouvez pas sentir, vous pouvez pas l'avoir en main. Déjà visuellement c'est mon préféré, il est coloré. On sent qu'il y a plein de bonnes choses dedans. Là le foie gras il est juste parfait. Là ça va être les saveurs de Noël. Allez, 3, 2, 1. Oh là là. Oh le foie gras. Il est next level. Ah, c'est une tuerie. Les pousses d'épinards avec figues là, un petit goût de foie gras, l'huile de truffe, incroyable. 10 sur 10 et il est meilleur que le premier que j'ai goûté, je vous le dis. Le cocktail, regardez ce visuel. Ce qui est énorme, c'est que les couleurs, elles vont parfaitement ensemble. On a le petit rappel de la figue, confiture de figue, un cocktail un peu rosé comme ça qui va bien avec le sandwich. Allez, c'est parti. Ils ont tapé juste. Il y a tout ce que j'aime dedans. Base vodka, gingembre, c'est fruité. Attention, il faut en boire avec modération parce que ça, ce genre de truc, c'est ça, c'est comme les mojitos. Hein. C'est 1, 2, 3 et on arrête de compter quoi. Dans le cocktail aussi, t'as le sirop de fèves de tonka qui s'accordera parfaitement. Ouais, c'est incroyable. J'ai toute une équipe aujourd'hui qui a travaillé autour de cette vidéo. Donc franchement, merci à eux. Et je vous le dis, à venir tester parce que franchement, c'est impressionnant. En tout cas, vous pourrez tout goûter sauf cette création. Ils l'ont fait uniquement pour moi. Et pour vous aussi, pour que vous puissiez voir cette expérience. Bon, en tout cas, je vais me régaler. Et on se retrouve pour la conclusion. Bon alors avant de débriefer, je vous invite tout de suite à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner. Je vous invite à activer la petite cloche, comme ça vous aurez une notification dès que je sors une vidéo. Je vous invite aussi à exploser la barre des likes. Pourquoi? Parce que cette vidéo fait 150 000 likes, je referai un autre épisode. Donc pour le débrief, bon, le premier sandwich, pas la peine de perdre du temps dessus. Ça fait le taf mais sans plus. Le restaurant Alfie, c'est de la frappe. Autant moi je suis un grand fan de Subway. J'adore leurs sandwichs, j'adore leurs cookies. Mais là, Alfie, les gars, ils sont archi chauds. La charcuterie, elle est coupée finement. Ça fond en bouche, c'est bon. C'est pas du tout écœurant, même s'il y a une grosse quantité. Et ça, c'est un vrai kiff. J'ai aussi bien aimé leur hot dog et leur cocktail. C'était tueur. On se donne rendez-vous très vite pour plein d'autres vidéos, que ce soit le mardi ou le vendredi. Et sur ce, ciao ciao.